C'est le premier, la première exécution spectaculaire qu'a été celle de Marie-Joseph Angélique, parce que ça, si on était aujourd'hui, on dirait que ça a fait le tour du monde. Ça a été quand même, ça a secoué beaucoup de gens ici, que ce soit parmi les Noirs, les Canadiens français les moins nantis étaient évidemment du côté de cette pauvre fille. Est-ce qu'elle est à plaindre? D'autres disent que non, parce qu'elle est incendiaire. Bon, moi personnellement, je n'en crois rien parce que on n'a pas de preuves. Et c'est sous le régime français, on a fait tellement d'erreurs, tellement de bêtises, tellement de choses impensables. Et je me dis, pour ceux qui disent que, bon, l'esclavage, c'est juste les Américains, c'est jamais chez nous. Mais j'ai dit le 21 juin 1734, là, il ne faut pas oublier cette date-là, ça s'est passé chez nous. Comment est-ce qu'on peut nier ça, hein? Alors, 21 juin 1734, moi, je n'oublierai jamais ça, mes enfants n'oublieront jamais ça. Pourquoi? Parce que on a fait les mêmes erreurs que d'autres pays esclavagistes. Alors, on n'est donc pas des saints. Voilà.